Et il y a le grand maître nageur qui est, vous savez, sur cette espèce de chaise d'arbitre de tennis, il est là-haut. Et puis il a son sifflet, et il contemple un petit peu les jeunes filles qui hésitent à tremper les orteils dans l'eau. Et dès qu'il y en a une qui hésite vraiment, qui est vraiment très hésitante, là il descend. Et évidemment dans son slip, il avait une guitare, comme par hasard. Et donc il va écrire une chanson qui va la séduire à mort. Un truc du genre... Attends. Une chanson de maître nageur. Papa, maman, les gars, je suis désolé. Ah, c'est pas une chanson de maître nageur. Maintenant, il va lui faire traiter un scobraguet, quelque chose d'efficace. Moi, je vais vous le faire en français, je suis pas maître nageur, désolé.